Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler finalement de comment on peut vivre d'internet aujourd'hui. Alors comment est-ce qu'on peut vivre de son blog et ou de sa chaîne YouTube? Alors on va passer sur le premier schéma. Donc dans ce schéma finalement vous voyez comment ça se structure, donc avec les réseaux sociaux, le référencement naturel, les publicités payantes facultatives et la chaîne YouTube qui peut également apporter du trafic sur notre blog, notre site internet. Et donc l'idée étant que sur notre site internet, nous allons disposer de tunnels de vente, donc directement qui vont diriger nos prospects vers une page de vente, pour les convertir en clients. Et également, une page de capture d'email sera sur notre blog dans laquelle on pourra capturer les emails et les faire rentrer dans notre machine d'emailing dans le but d'optimiser donc la conversion et de rediriger nos prospects vers une page de vente pour les transformer en clients et pour qu'ils achètent tout simplement soit un podcast, soit un e-book, soit une vidéo, soit une formation que l'on aurait produite. Alors les choses à accomplir pour réussir sur internet, c'est pas très compliqué. Il faudra créer, animer et promouvoir une chaîne YouTube. La même chose pour un blog, il faudra créer, animer et promouvoir un blog sous WordPress sur internet. Il faudra créer un tunnel de vente. Il faudra également créer une page de vente, créer une emailing machine, et puis on crée finalement ce qu'on va vendre, donc un e-book, une vidéo, un podcast ou une formation tout simplement à disposer sur le site. Et on verra aussi qu'il faudra se déclarer fiscalement dans des conditions optimales pour ne pas tout simplement se faire plumer. Alors, ça c'est les choses à accomplir. Maintenant, ce que vous allez devoir apprendre à faire, tout simplement, ça va être à rédiger des textes de blog percutants qui vont inciter à l'action, ainsi que des vidéos YouTube percutantes qui vont également inciter vos auditeurs, vos prospects à l'action et à devenir clients. Gérer entièrement votre blog et votre chaîne YouTube. Ça, c'est assez compliqué parce que, par exemple, si on vend des formations sur son blog, il va falloir créer un espace membre, etc. Donc, ce sont des choses qui sont déjà un peu complexes. On verra ça dans les formations payantes. Il va falloir référencer vos articles de blog et maintenant aussi vos vidéos YouTube, puisque le contenu de la description des vidéos YouTube est extrêmement important pour promouvoir vos vidéos, d'ailleurs ainsi que les tags utilisés par ces vidéos. Il va falloir promouvoir vos articles de blog et vos vidéos YouTube également avec les réseaux sociaux, mais aussi avec la publicité payante. Ça c'est facultatif, mais c'est un plus. Ça va permettre d'attirer plus de clients. Il va donc falloir aussi utiliser l'email marketing qui est l'outil peut-être le plus efficace pour convertir. Et il va falloir gérer votre relation client. Bon, il va falloir en gros créer des produits aussi qui vont être de tellement bonne facture que vous allez transformer ensuite vos clients en ambassadeurs de vos produits. Voilà. Ce que vous devez savoir concernant cette activité sur internet, c'est qu'on peut rapidement acquérir les connaissances indispensables dans les domaines que je viens de citer. Il suffit de quelques jours de travail et on a les connaissances suffisantes pour gagner de l'argent. Il faut savoir qu'on peut rapidement gagner de l'argent avec ces connaissances, donc à condition de travailler évidemment, mais on peut le faire simplement en travaillant une heure par jour. C'est pour vous dire que ça peut venir vite si on met vraiment du sien. C'est à la portée de n'importe qui, surtout de vous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances en programmation, ni de connaissances en rédaction,
ni en référencement pour réussir sur Internet avec votre blog grâce aux formations que je vais vous proposer. Et il vous suffit de passer à l'action et de vous lancer pour réussir. Ça veut dire que la plupart du temps, on perd du temps à tergiverser et à ne pas se lancer. Et c'est ce qui pourrait vous être finalement, ce qui pourrait vous empêcher de réussir. Puisque il faut bien évidemment se lancer pour réussir. C'est pas plus compliqué que ça. Il ne faut pas se poser de questions. Les questions, ça ne sert à rien. Il faut juste se lancer et y mettre du sien. Et ça marchera. Voilà, il faudra cependant parfois persévérer. Donc la même idée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se remettre en question dans le sens où le travail paiera de toute façon. Donc parfois, ça peut mettre quelques mois suivant la thématique, évidemment. Et puis, le risque zéro n'existe pas. Je vous donnerai les thématiques qui fonctionnent. Si vous vous engagez sur une thématique que vous connaissez mais qui n'est pas dans les thématiques que je vais vous fournir, alors je ne peux pas garantir le résultat. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous ne risquez rien à tenter et de toute façon, vous allez engranger une expérience qui vous sera de toute manière profitable. Voilà, donc moi, je vous attends de l'autre côté et je vous dis à très bientôt pour qu'on puisse commencer votre formation.